Mais ce qui me fascine, c'est que tu as travaillé, tu travailles constamment. Et la clé, elle est là, dans le fond. C'est cette recherche, cette prise de conscience. Tu as analysé ce que tu vivais, pourquoi c'était comme ça. Et tu es allé chercher des solutions, chercher des réponses. Moi, c'est ça que j'aime. Ce serait mon genre aussi, dans une situation comme ça, d'aller voir comment ça marche, comment je fais pour le changer. Moi, c'est ça que j'aime. Ça ne sera pas tout seul. C'est un peu ça, notre message. Ouais. Ça ne va pas arriver juste parce qu'on souhaite de maigrir ou on souhaite d'avoir plus de vitalité ou de mieux dormir. Non. Juste, si on prend l'exemple de mieux dormir, avoir un meilleur sommeil, appelons ça comme ça, parce que c'est les vrais termes, comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu as changé dans ce rituel du dodo, dans le fond? Bien, ça a été vraiment les écrans un peu avant. OK? Ça a été entre autres ça. Mais tu veux dire les couper? Mais même, pour être honnête aujourd'hui, transparent, non. Honnêtement, là, mettons, je viens d'écouter une dernière série de télévision, mais on va me couper. OK? Ça, c'est revenu ça. OK. Cependant, la réalité, c'est que si je mange bien et je bouge dans ma journée, je dors. Ouais, c'est ça. Ben oui, voilà. Tu comprends? C'est tellement c'est ça. C'est ça. Ouais. Et si je dors, j'ai envie de bien manger puis de bouger, bien penser. Exact. Mais le premier que j'enlève, qui déconstruit tout le reste, c'est le sommeil. OK. C'est vraiment le sommeil. Oui, moi, j'ai essayé, j'ai vu tout bord, là. Pour moi, dans mon expérience, c'est ça l'autre affaire aussi. C'est moi, c'est ma nature à moi. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit... Moi, j'ai toujours été comme ça. J'étais un peu... j'apprends, j'expérimente, je fais mon expérience. Donc, moi, je ne ramasserai pas ce que les bouddhistes ont dit ou ce que les catholiques ont dit ou ce que les pro-VG ont dit. Je vais tester, par contre. Je suis assez intelligent pour tester. Mm-hmm. Je vais tester, je vais voir les résultats qui vont se passer dans mon corps, dans ma vitalité. Je suis plus disponible. Mais si ça marche, puis je m'aime assez, mais je vais répéter. Puis si ça me tue, donc si ça détruit la vitalité, j'espère que je suis assez intelligent puis que je m'aime assez pour dire « Hey boy, ces mécanismes-là, je me tue. » Littéralement. Et c'est ça qui s'est passé dans toute cette transformation-là. C'est un éveil. C'est que je me suis rendu compte, honnêtement, je me tuais, là. Je faisais du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, mais avec tous les mécanismes que j'avais inconscients, c'était le cocktail parfait pour de vrai. Pour de vrai, là. C'est pas une question de poids, c'est le cocktail parfait pour... d'autodestruction. Pour être malade éventuellement. Ah, oui, c'est ça. Tu sais, mon corps, il me sauve la vie. Il ne sauve plus de poids, c'est génial. Il te sauve la vie. À un moment donné, ça peut être, tu sais... Je veux pas faire de jugement sur quoi que ce soit, mais... Hier, je m'en vais manger, je m'en vais déjeuner au restaurant. Avant, hier, avec ma femme, puis il y avait un homme puis sa femme qui était à la table en arrière de Nathalie. Il avait peut-être 65 ans. Puis la madame était toujours comme ça, tu comprends? Elle était speedée, là. Non. Elle était comme, il y a probablement un problème nerveux qu'il y avait dans son système, tu comprends? Oui. Et ça me fait comme, OK, ça on n'est pas à l'abri de ça, personne. Mais non. Mais si on cultive des causes qui favorisent la vitalité ici maintenant, parce que le corps, il y a l'espace pour se régénérer, se guérir de lui-même, on favorise au moins tout ça. Mais ça s'appelle la prévention. Ça s'appelle la prévention. Mmh. Et moi, je tombais en amour avec ça. Ben oui. Mais avant, c'était comme... J'allais le dire, je le dirais pas, j'allais dire « fuck you hein? ». Fuck you! Hein, la prévention, mais la médecine chinoise, c'était de la prévention. Ben oui. Puis moi, je suis super intéressé par ça. Et là, j'ai commencé à m'éduquer vraiment là-dessus. J'ai fait comme, on devrait tellement savoir ça, c'est du gros bon sens. Ouais. Sauf que, moi, tu me l'aurais dit 3 ans avant, ça aurait passé là, puis là. Fait que ça prend un moment déclencheur. Ça prend des résistances. Oui, c'est ça, hein?